Le lendemain matin, je décide de me lever tôt pour tout empaqueter et reprendre la route. Même si là, ça se voit pas trop, au fil des jours, je commence à me faire à mon équipement. Et je me fais un petit process, je commence à me faire une petite organisation de qu'est-ce qui va en premier sur la moto, qu'est-ce qui va en deuxième, qu'est-ce qui va en troisième, à quoi il faut absolument que j'ai accès rapidement et qu'est-ce que je peux me passer d'avoir accès. Tout ça, ça commence à se mettre rapidement en place et je commence à connaître ma petite maison derrière mon cul sur ma moto. Depuis que j'ai quitté la petite péninsule où Bruce et Lily habitaient, j'ai constaté que le paysage s'était mis à changer. Déjà en passant du Victoria au South Australia, la verdure avait nettement diminué. Mais là, petit à petit, en me dirigeant vers la capitale, Adélaïde, le paysage devenait nettement plus aride. Je sentais arriver la plaine de Nullarbor et je me disais que là, ça commençait. Bon, alors là, je suis à Kingston avec le homard géant derrière que tu peux voir là. C'est l'emblème du village en gros, tu vois, c'est le homard quoi. Enfin, Port Beach, là où j'étais chez Bruce et Lily, c'était la crevette, ici c'est le homard. Et là, il est actuellement... il est midi passé quand même, midi passé. Du coup, je vais me diriger petit à petit vers Adélaïde. Je sais pas si j'aurai vraiment la foi de le faire aujourd'hui, d'aller jusqu'à Adélaïde aujourd'hui, mais je vais faire une bonne partie quoi. Et j'aimerais bien en fait aborder le... Enfin l'idée c'est de vraiment commencer le désert de Nullarbor là assez vite. Parce que c'est ça que j'ai trop envie de voir quoi, le désert pur quoi. Donc bon, on va pas trop tarder, j'ai une envie de pisser, il faut que j'y aille là, je sais pas trop où. Tu sais, ici ça craint, tu peux pas pisser partout quoi, comme en France. Ici c'est un peu réglementé, tu vois. Voilà, je vais aller à la station essence, tant bien. Et voilà quoi. Ah d'accord, alors en France le mec il pisse partout, mais attention, en Australie c'est réglementé, tu pisses dans les chiottes et nulle part ailleurs, non mais des barres. Putain, mais je suis vraiment trop con des fois. Bref, après avoir fait environ 350-400 bornes, je décide de m'arrêter à environ 30 km de la capitale Adélaïde pour poser le camp. Je préfère poser le camp plus tôt pour avoir toujours de la lumière et quand même du temps pour manger plutôt que d'arriver et de prendre le risque de défoncer un kangourou sur la route. Tu vois, c'est marrant parce que... Ce matin, j'étais pas tout seul, j'étais avec Bruce et Julie. Et c'est vrai que ça fait du bien une petite présence humaine comme ça de temps en temps parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est vrai qu'avoir de la compagnie et mine de rien avoir une maison et ils avaient deux chiens et le fait d'avoir des... Tu vois, des animaux qui te portent de l'attention et tout, c'est un côté vraiment chaleureux quoi. Et là, bah tu te retrouves tout seul encore une fois, tu vois. En fait, c'est que... C'est pas que c'est chiant. C'est pas que c'est chiant et c'est pas que c'est... C'est pas que t'es là et que tu sais pas quoi faire et que t'as juste envie de... T'as juste envie de partir et de te remettre dans un mode de vie normal. C'est pas ça. C'est qu'en fait, t'es... En fait, t'as pas le choix, t'es mis face à toi-même et c'est ça qui est assez marrant et qui peut être d'un côté bien et d'un autre côté qui peut être dérangeant parce que ça dépend en fait de la relation que t'as avec toi-même au quotidien, de comment tu considères ta vie, tu vois. Si dans ta vie t'es épanoui et que tout va bien et que tu fais ce genre de retraite-là, ben tout va super bien et t'es content d'être avec toi-même et tout, mais si dans ta vie tu te mens et que t'es pas heureux et qu'il y a plein d'aspects
qu'il y a plein d'aspects qui fonctionnent pas, quoi, dans lesquels t'es pas à l'aise et dans lesquels tu sens que t'es pas à ta place, mais ces moments-là, boum, tu vois, ils te mettent un coup dans la gueule et te disent, ben, tu vois, tout ce que t'essayais de cacher, ben là, t'as pas le choix, là, tu le regardes en face, quoi. Tu peux pas fuir, quoi. Donc, ouais. Et puis, bon, en plus de ça, t'es tout seul, quoi. Tu fais ta cuisine, là. Mais c'est génial, hein. Franchement, c'est génial, c'est une super expérience. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le désert. Parce que là encore, t'as des animaux, tu vois, t'as la forêt, t'as des gens là-bas, mais dans le désert, y a rien, quoi. J'ai vraiment hâte.